What's up, Sky2.no, Maniac? C'est Sky Redemption. Arrivons pour l'épisode 3 de l'aventure horrifique Resident Evil Village. Là, on vient juste de se décrocher après avoir fait face à Lady Dimitrescu et ses trois filles. Mais on sait qu'on va les avoir encore sur notre chemin assez longtemps. Alors, on va juste faire attention parce que je crois que soit ses filles ou soit Lady Dimitrescu elle-même, c'est comme Nemesis puis Mr. X des autres. C'est tué partout là. Fait qu'il faut juste faire attention. Fait que là on a trouvé où c'est pas là qu'on allait. Ça, on le savait déjà parce qu'on l'avait fait dans la démo. Moi je l'ai juste pas mis sur YouTube. Puis attendre d'avoir le jeu complet. Oh, il y a une petite toile ici. Je ne. Little rats! Ok, on va fouiller un peu. Oh, de la ferraille, peut-être, pour pouvoir esquérir des munitions. On en a jamais assez. Surtout dans une game comme ça, c'est vital, comme qu'on pourrait dire. Oh! Une petite bague avec l'œil qui va nous donner accès. Tant pas long. À la fameuse pièce avec qu'il faut mettre l'œil sur la. Je crois que c'est une sœur ou quelque chose comme ça. Ben, ça ressemble à ça. On poursuit notre périple. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Oh, oh, oh. Les fameuses statues qu'il faut trouver, les quatre masques. Et ouais, il y a déjà quelqu'un à notre poursuite. Bon, on attend le duc est fatigué. On va le laisser tranquille un peu. Dérouiller. Oh non! C'est pas là où je vais aller tout de suite, par exemple. Rien. Le petit tiroir. La plupart du temps, ils sont presque toujours vides, alors je sais pas pourquoi je m'entête à aller ouvrir. Oh, ouais. Ils se sont amusés à boire une tasse de sang, ces connards. Les petits vases sont toujours des choses intéressantes, comme là de l'argent. On n'a pas grand-chose comme inventaire, alors le fusil à pompe, on a notre fusil. On va avoir des améliorations plus tard. Mais avec ça, je crois qu'on peut quand même faire un bon bout de chemin. Juste vérifier. Je savais qu'on pouvait le détacher de la bague. Ça, on a un petit document. Alcina Dimitrescu. J'ai réussi à le dire comme fois, c'est eux. Je suis pratiqué un peu. Si on a l'œil, non, ça m'a l'air d'être une bouteille de vin qu'il faut qu'on mette là. On va probablement la trouver durant le jeu. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire absolument. Mais. J'ai été chanceux jusqu'à présent. Il n'y a personne qui nous a couru après. Bon, il va falloir avoir grand chose de ce côté ici. Ah! Le petit vase, au moins, on ne sera pas venu pour rien. De la poudre noire. Chercher mon petit vase au bout. 330. Et la fameuse statue qu'on va pouvoir mettre l'œil.
notre première rencontre avec Bella Dimitrescu. Aussitôt qu'on entre dans la pièce, c'est ce qui va se passer. Elle est vraiment chiante, par exemple. C'est mon petit bébête là, je me souviens. Avec la mère Baker dans la 7e épisode, c'était... Ça fait longtemps que j'ai pas dit qu'il y a un homme. Ouais, mais ça arrivera pas aujourd'hui, donc. Tu l'as capturé mort ou vif? Tu préfères quoi? Je préfère que tu me laisses tout foutre la paix. Je ne peux plus me tenir. Ouais, mais on va pas te sortir dans la cour un peu parce que tu vas. Fait que là, ça s'est vite. Le petit document. Le 9 juin 1958, je vous laisse lire le reste. Je vais le laisser un peu plus longtemps. On avait 3 pages. On s'enligne dans les cachots. La petite musique qui nous permet de se relaxer un peu avant de se faire foutre une peur par, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des ennemis à perpétuité. Les connards. On pourrait se faire des balles, par exemple. De fusil à pompe, c'est à toi. Oh, shit. C'est Lady Dimitrescu. Je pense qu'elle avait la bouteille de vin. Qu'on a besoin pour la pièce en haut. Je sais pas que si qu'on sort quand elle est encore dans la pièce, si que il y a une confrontation, j'ai pas voulu essayer. Là, ben... La musique s'est arrêtée. Ok. Ah, quelque chose d'intéressant ici. Des munitions. C'est sûr. Bon, ben vous savez que c'est pour qu'on passe, pour qu'on allume les torches. Ça va débloquer la porte. Là, on va avoir directement l'accès au cachot. Sésame, ouvre-toi. Là, je sais qu'il y a des ennemis. Comme que je me répète encore, on a tout vu ça dans la démo. Là, ça va être plus difficile d'avoir les jumpscares parce que je sais déjà à quoi m'attendre. Parce que j'étais un gars habituellement qui sursaute pas mal parce que dans... Mes 2 premiers épisodes, vous avez été... Vous avez trouvé ça drôle quand je me foutais une peur moi-même. Avec, surtout quand le lican m'a arraché la main d'Ethan Winters. Ne vous en connard, j'ai le fusil à pompe. Je vais tout vous allumer. Oh... Pièce de métal. Vous êtes où, bande d'enfoirés? Je suis vraiment prêt à passer à l'action. Oh! Il y en a un premier là. Bye bye! Reste couché, connard! Oh! Malgré que je savais déjà quoi m'attendre, je vais faire le saut quand même. De garder mes cartouches de fusil à pompe un peu parce que ou que je pourrais faire un mix des deux, un coup de fusil à pompe pour les affaiblir pas mal et ensuite terminer avec le pistolet. Oh motherfucker, stay down.
La putain. Oh, la grenade. Toutes les filles explosées en même temps, ça ferait bien mon affaire, mais ça a l'air que ça fonctionne pas comme ça. On a fait un bon petit paquet d'argent parce que tout l'écran cristallisé, tout ça, ça nous donne assez d'argent pour pouvoir upgrader nos sabres, nous acheter des pièces pour les améliorer, ainsi de suite. Vous êtes où, bon dans le... Oh my fucking god! Il a l'air d'en avoir plus d'ennemis qu'il y avait dans la démo, malgré que j'aurais pu leur tirer la grenade, mais je peux pas tout de suite. Voilà qu'on sorte un shotgun bien vite. Oh, mais là, c'est assez. Bon, vous en avez eu assez, là? On a encore 9 balles de fusil à pompe, alors je crois pas qu'on devrait s'inquiéter. Il y en a encore un là-bas. Il y a un Kunar là-bas qui va essayer de me faire la peau. Ça marchera pas. T'es où, enfoiré? Ah, t'es là! Je crois que c'est le dernier. Non! Pas ça, je l'ai fait! Il n'a pas dépensé ma grenade, ça se fait sans que je le veuille. Trompé de piton et... La grenade s'est faite lâcher. C'est pas grave. On peut soit en acheter d'autres ou acheter le craft pour pouvoir le faire. On a une salle au trésor dont on n'a pas encore l'accès. Mais on va y revenir. Ça, c'est sûr certain que je ne quitterai pas définitivement le château sans avoir venu chercher le trésor. Et on sent en plus dans la salle du marchand, on a le genre de château avec la petite boule. Nous n'en serions pas là, c'est Cassandra qui t'a tué. Mais Cassandra, elle m'a pas tué, ok? Sérieuse en plus. Elle me longe pas pantoute. Le sang est plus sucré. Déjà, une fois encore. La démo se terminait juste comme qu'on enlevait les planches. Mais là, t'as vraiment, on va devoir l'affronter. Un petit coquin. Je le savais. Let's the fight begin! Tes balles ne font rien du tout. Ah, t'es sûr de ça? Espèce d'imbécile! Là, je crois que mes balles vont te faire quelque chose. Au fusil à bombe! Je ne pardonnerai jamais! Espèce d'ordure! Ferme ta gueule! T'en es déjà terminé! C'est débarrassé de l'une des filles de Lady Dimitrescu, Bella Dimitrescu. Bye bye. On se revoit en enfer, connasse. C'est comme notre premier petit boss fight. Qui a pas été vraiment difficile à compléter non plus. Ah, on a la fameuse bouteille de vin. Mais c'est pas du vin, je crois, que c'est plutôt du sang. Oh, ici, on a un petit document. Pour toutes les avoir, est-ce qu'on va avoir le trophée? On peut crocheter la serrure. Première amélioration pour notre pistolet. Là, par exemple. Fait qu'on va commencer à avoir de la puissance en masse. C'est ce qu'on veut. Élément de modification. Déjà mis sur l'arme. On va en profiter au max. Recharger. Je crois que ceux-là qu'on va avoir moins... Oh! Pour crocheter, je sais qu'il y en a un là-bas, mais je vais attendre pour voir les autres avant. Je pense que les trois filles de Lady, je pense que c'est ceux-là qu'on va avoir le moins de difficulté. Parce que, aussitôt que la lumière qui entre, c'est juste une question de temps avant qu'on les élimine.
faire le tour un peu. On peut pas sortir tout de suite. Ça prend la clé. Qu'on n'a pas. Ah ben, tabarnouche! Pour une fois, j'ouvre un tiroir pis y'a de quoi dedans. On va faire une marque du calendrier. Ah, c'est ta pièce-là qui était barrée. Je crois qu'on va avoir attiré la fureur de Lady Dimitrescu après avoir tué l'une de ses filles. Je cherche la salle avec. Là, avant. Oh. Ouais, ouais, elle est en haut, oui. Juste en face de nous. Déjà le petit document, fait qu'on perdra pas notre temps avec ça. C'est parti! On a de la poudre noire, ça fait qu'on n'a pas venu ici juste pour ça. Oh non! La clé de la cour! Ça va nous permettre de sortir. Je crois que la porte est dans la salle à manger. Parce que c'est elle qu'on vient juste de voir que ça prenait une clé pour sortir. Parce qu'on sait qu'on peut pas sortir du même endroit où qu'on est rentré dans le château. Fait que. Bah. Il y a l'une. L'une des filles encore qui nous a pris en chasse. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Ouais, peut-être, c'est ce qu'on va voir. Allez-y, n'hésitez pas à acheter un œil. Ok. Bon, on va checker qu'est-ce que je peux vendre avant. 5000, j'en ai un. Ça. On peut vendre de crâne et cristallisé. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Ben oui, je suis sûr de ça, même. Très bien, j'achète. Là, on a qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Oui, ça va acheter ça pour avoir plus de place tout de suite. Merci pour cet achat. Pour crafter les balles de sniper qu'on n'a pas encore, mais ça, c'est pas grave. Bonne journée. Bonne journée, man. Tu devrais perdre un peu de poids. Tu devrais demander de faire une liposuction, man. On va pouvoir sortir avec la clé de la cour. Ça sauvegarde automatique. Cartouche de fusil à pompe qui est vraiment intéressant. Que de quoi qu'on se fait avoir. On a des medics aussi, alors pas de quoi s'inquiéter. On va monter là. Là, on va pouvoir entrer dans. Une autre partie du château. Oh. On va juste se watcher parce que là, la grande est en train de monter les marches. Les escaliers. Alors, chez nous, c'est des marches. Bon, un petit vase ici. Petite cartouche. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? M'en est débarrassé. J'espère qu'elle ne nous sautera pas dessus. Oh, on a une petite carte ici.
crois que c'est la seule pièce qu'on peut aller, alors... Bon, on va tenter quelque chose. Ok, je vais faire pour que l'autre madame là-bas, là... il se fixe un peu. Ils vont dire, oh, bonjour madame, tu vas? Oui, et toi? Ok, je suis parti dans mes pensées. Il y a juste un sens qu'on peut les tourner pareil, fait que... Tu vois, encore le cowboy. Ah, ben tabarnouche. C'est juste ça. Je pense que c'est l'une des énigmes. Des énigmes que j'ai eu le moins de difficulté à faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a une ramée d'ennemis qui vont nous attendre. Oh, la petite chèvre! Bye bye! Ça faisait un bon bout que j'en avais pas vu, fait que... Ok... C'est ah, quoi? Putain! Une rivière de sang? What the fuck, man? Vraiment creepy, là. Je sens que... Peut-être avoir un jumpscare, là. Riez pas trop de moi, là! What? Ça commence déjà, les amis. J'ai l'impression que... Voyons, c'est là qu'il était. Ce qui est rendu. Un petit peu d'argent. C'est sûr que je m'en reste... L'argent, pas vraiment... Oh! C'est une tabane! Wouh! C'est bon. Oh my god! Hey, la pression baisse un peu là. Ah, mais attends que je t'élimine avant que tu te rendes à moi. As-tu un autre pour me pogner par en arrière là? Non, reste couché, je t'ai dit. Ok. T'as comme pas le choix qu'on passe par ici. Mais là. Fait qu'il y a personne qui va me faire chier dans mon linge encore là. Oh, 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 oh. Il n'est pas rendu dessus, donc quand il a sorti là. Ah! Sérieux, j'ai gaspillé une balle de fusée à pompe pour rien! Il était déjà mort. La pompe est chargée jusqu'au bout, ça me dérangera pas, ça. Oh! What the? Motherfucker! Ah, t'es pas mort, m'a très joué, moi. Hey, j'ai la patate qui pompe, c'est juste des petits ennemis, là. Ça va pas bien. Une pile de bottes qui courait assez vite. Ouh! Hey, hey. Là, venez-vous en préparer, par exemple. Shot! Reste à terre! Reste à terre, j'ai dit! Ah non, il est deux d'une shot! C'est terminé!
Attends, j'ai dit. Oh my god. Bon, ben, ça me donnait de l'argent, par exemple. Produits chimiques, de la poudre noire. Chose ici qu'on peut ramasser. Encore de l'argent. Oh, ça je l'avais. J'avais pas vu tantôt. Je reste sur mes gardes parce que... Bon oui, ça peut nous sauter dans la face à tout moment. Lui, il aime faire peur, ça a pas marché. Come on, I blew your head off, man. Away. Ça se termine bien quand même. J'aurais plus aimé que ça explose, là. Ça aurait fait un meilleur show. Bon, ben, on a notre porte de sortie. On va enfin quitter la mer de sang. Encore de l'argent. Oh, cartouche de fusil à pompe. Oh, que oui. Oh. Ok. On est encore à un autre emplacement du château. Oh, un petit plan de verre. On va la prendre. Je peux aller par là, mais je veux... On va venir fouiller la petite pièce ici. Encore, on trouverait quelque chose d'intéressant. De l'argent. Ça reste intéressant. Moi, je suis pas smart, je casse toutes ces vitres de ces armoires. Damn, ma tabarnak. Bah, c'est juste un rideau, on peut même pas passer au travers. On a l'air d'un cave. Bon, mais ça a l'air qu'il n'y a plus rien ici. On va poursuivre notre chemin. What the hell? Quelqu'un attend un téléphone? Oh, c'est Lady Dimitrescu. Appel important, ma grande. Est-ce que tu vas répondre? Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. On a déjà élu. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Fâchez-la, oh, madame. Diable de cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait! Ouais, bon, c'est Gaster qui a sac la cérémonie. Oh, le petit vase. Ok. Rose, où es-tu? J'aimerais bien t'aider là-dessus, man. Bon, on peut pas sortir par là. Ok. Là, trouver une autre issue. Oh, il y a quelque chose par là. La clé des Dimitrescu. On doit pouvoir ouvrir la porte. What the hell? Voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous... Ah! Wow. Espèce de misérable créature ingrate. Tu t'invites chez moi. Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... filles. Et maintenant, oh, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient.
Comment oses-tu? Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire. Ok. Je ne serai pas assez fort pour plancher que nous a fait passer au travers. Ok, là, ça s'en vient pas mal intéressant, intense aussi. J'ai la patate qui pompe un peu. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir... confrontation encore avec Lady Dimitrescu. Voyons, il sait pas que ça. Sérieux? Je vais faire envoyer là. Ah! Sauvegarder automatisé. Okay. On va fouiller cet endroit-là un peu, mais la petite musique, elle me rassure pas pantoute. C'est plus stressant que d'autres choses. Oh, on a pas d'argent, 1000 piastres. Produit chimique, fluide chimique. Ah, il y a une autre pomme. Yes, sir. What the hell? Comme si j'allais te laisser filer. Il savait qu'elle allait avoir un autre morceau. Avant d'avoir pu revoir cet enfant. Bon, on vient de parler de mille. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu. J'ai jamais voulu l'insulter, je veux juste la détruire. Fuck. Ben, je peux-tu en prendre avec ma main? Ah oui. Objet. On a ramassé notre main. Ah ouais, ouais, grouille! Sans que la porte n'est pas vraiment pressée à s'ouvrir, hein! Elle nous suit, la graine! Allez, tant que c'est pas le temps de gosser! Là, on va pouvoir entrer, on a la clé de Dimitrescu. Oh, notre premier masque! Bye bye, la grande! Courir ne te mènera nulle part! Je cours pas pantoute! Ben, j'avoue que j'ai été loqué. My god! T'es sérieux? Je recolle juste ma main, je fais rien de mal. Je fais la même chose dans la 7e quand elle recollait son pied, c'était juste. Il y a des produits là-dedans qui marchent, hein, maudit? Ok. C'est bon, je me casse d'ici. Je pense que t'es loin de pouvoir être sacré le camp de là, man. Vous êtes où, pantafoiré? Je vous entends, mais je vous vois pas encore. On a rentré back dans le château. On va aller mettre le masque. Notre premier masque, comme on a un. Il en reste encore trois autres, mais c'est un bon début, là, par exemple.
On a un engrenage de débloqué. On l'a attendu aussi qu'on a mis le masque. Je crois que quand on va avoir trouvé les quatre, on va pouvoir finalement ressortir du château. Il y avait un endroit que je pouvais crocheter, alors je suis parti. On va s'asseoir. Ah, pour des cartouches de fusée à pompe, ça. Ben... Je ne tiendrai pas. Ah, t'es sérieuse, man? Je sais qu'ils peuvent pas rentrer là. Alors. Bienvenue, Ethan. Avec toi, hein? T'as juste pour travailler. Merci de votre visite. Je sais qu'il y a une autre pièce. J'aime pas la musique. Fait que là, on est dans son. Dans sa mire, ce. Oh! The hell? Donc on dit, je l'avais pas vu, t'as rien moi, la graine. Colisse. Joue encore avec moi. Ah, t'es sérieuse, man? Tu vois? Oh oui! Ouais! Viens, c'est toi d'après moi, tu sais. Ouais, viens, t'as la grande. L'autre, elle est où, là? Elle est juste disparue, là. Après, je vais te contourner, connasse. Bye bye! Tu vas mourir! Dans tes lèvres! Wow! Bye bye! C'est tout pour l'épisode 3 de Resident Evil Village! J'espère que vous avez passé un excellent moment. On a eu des démêlés avec Lady Dimitrescu. On a éliminé Bella, l'une de ses filles. Fait que, à la prochaine les amis, passez une excellente soirée! Meurs, sale vermine!